Cette vidéo est tirée d'un stream sur Twitch. Toutes les vidéos de Borderlands 3 devraient être tirées d'un stream Twitch. Aussi, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Twitch en suivant le lien dans la description. Merci à ceux qui étaient présents dans ces streams et merci d'avance à ceux qui viendront au prochain. Tout autour du statue, le chasseur traque le bandit. Le chasseur trouve qu'il a déjà bien ri. Et pouf! Elle est con. Arty le bandit. Hello! Bonjour! Roland m'a prévenu de ton arrivée. Je lui dois un service depuis cette histoire avec le général Duchemol. Alors faut choper un train, hein? Un jeu d'enfant. Et je te présente mes copines. Ouais! Je cours, je cours, je cours à toutes tes jambes. Cours, 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 cours. Ouh! C'est Kaline aux griffes pâteuses, et là, c'est Elvire la béquille. Ces nanas en ont dans le slip. Elles peuvent arrêter le train pour toi. Mais d'abord, je dois mettre la main sur leur petit boule explosif. Et malheureusement, les bandits les ont pécho l'autre jour. Va les chercher! Leur petit quoi explosif? Je sais que Tina peut être bizarre, mais c'est la plus grande experte en démolition sur Pandore. Fais ce qu'elle te dit, et je te garantis qu'elle t'aidera à attaquer le train et à récupérer la clé de l'arche. Ok, bon bah vendu. Boule explosif. Je vais récupérer les boules explosives de ses amis. Oh mais lol. Oui, je prends. Si t'écoutes ça, c'est que tu m'as buté. Et franchement, je t'en veux pas. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours conservé mes meilleures flammes dans le garage. Et vu que tu dois être une sacrée brutasse pour m'avoir désigné, tu les mérites. Je sais que ça ressemble à un piège. Tu vas devoir me faire confiance. Tu sais quoi, j'ai envie de te faire confiance. Alors, par contre, là, c'est dans le coin. Trouver la cache. Piller la cache. Piégé, j'ai menti. Moi, tous les gens qui me tuent. Tu vas être mon nouveau vélo en viande. Où est-ce qu'ils sont les autres? Oh. Allez. Oh. Je suis carrément vexé. Dépêche. Je suis prêt, chef. Je recharge. Bon bah, t'es un enfoiré. Ah. Sage décision. Ah, oh, je vais garder celui-là pour un petit temps quand même parce qu'il est cool. Mais pas toi. Oh. Crois-tu? Crois-tu, crois-tu? Et moi pendant ce temps-là, je me balade dans ton camp. Kaline aux griffes pâteuses, c'est ma chérie. Elle a le bit plein de dynamite et un cul du genre qui fait bouhou. Un cul du genre qui fait bouhoum. Celle-là, je m'en souvenais. Oui, je suis dans la merde, la merde, la merde. La 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 merde, je l'ai eu le lili. J'ai eu les deux, c'est pas grave. Je m'en suis sorti, c'est tout ce qui compte. T'as trouvé les boules explosives? C'est la top! Ramène-les-moi et je te donnerai deux nanas en béton, elles feront dérailler le train pour vous. Ah ouais. Donne-moi deux nanas. Coucou. Une petite minute. Oui, j'attends. Vire ton derche de mon atelier. C'est un truc que je fais en solo. Une bombe sur un train, explosion de gros bourrin. Picotti, picota, bouge ton cul de là. Oups. Je planque une petite bombe dans la mécanique. Je vais tout péter. Par des macaques. Esprouch, 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 esprouch. Pourquoi esprouch? De vous revoir, les minettes. Allez au boulot. Ouf. Ouf. Des trop sexe.
Un thé dansant et elle a besoin de votre aide. Pourquoi bonne pas noche, j'ai prévu un thé dansant pour bientôt, mais mon cavalier a disparu. Je réponds, célibataire, pas question. Il s'appelle Sir Reginald von Bartlesby. C'est un aristocrate du coin mécène des Beaux-Arts. Von Bartlesby ? Tu dois m'adresser la parole. Tu dois la convaincre de libérer mon preux compagnon. Je vais faire ce que je peux. C'est parti. C'est un gros. Excusez les manières de Madame von Bartlesby. Vos yeux sont menteurs. L'illusion vous trompe tous. Je vais vous avoir. Merde. Ça sent le décès. Ça sent le DDC. Ouais, ça y est. Fonce chercher Sir Reginald. Nous avons tant de choses à discuter. Sur ta face, biatch. Sir Reginald, maintenant il faudrait que tu retrouves Princesse Ralatouf. Et aussi que tu ramasses des bouts d'hélico pour me faire une théière. Éclate-en quelques-uns et ramasse les pièces enflammées. Ouh, t'as pas aimé un coup dans le dos, hein. Ouais, si tu trouves des petits feux, prends-en. Les boudoirs, c'est grave bon. Il a pris cher. Il a pris ultra cher. Ok, cool. On a été efficace. Trouver des petits fours. On tient des pièces hélico, ça c'est faisable. À un détail près. Justement, tu parles de balles, tu as tout à fait raison. Ça va se payer. Oh, j'y vois plus. Ok, voilà. Des balles. Sublimation. Attention à la balle. Oh, c'est tendu du slip. Cours de munitions, on est 4. Ah l'enculé. Alors, on a chaud? Arrive pas à le toucher. Oh non! Oh, je suis vexé! J'arrive pas à le toucher en plus. Ça attaque la coque! T'as cassé mon... Wouh, je l'ai eu! Tant bien que mal! Nom de Dieu! On a assez de bouts de métal pour faire une théière. Tu gères cool. Comme une bête! Tu gères comme une bête! Attends, il me faut des bouts de métaux pour faire des munitions. Mais à part ça, tout va bien. Des petits fours, j'en ai. C'est la fièvre des petits fours. T'as trouvé la princesse Ralatouf ? Oui. Avec ce dédansant, on va kiffer toute la night. T'es malade. Elle est complètement malade. C'est parti. Ralatouf, vous avez l'air en forme. Elle est malade. Et maintenant, notre invité d'honneur.
Ah bon? Mais moi qui ai prévu un thé dansant et l'invité d'honneur a disparu. Rends-moi service. Attire notre invité à la fête ou je boufferai tes bébés. Son nom c'est Brochette de chair en fait. Salut Brochette de chair. Et viens, viens, viens. Aïe. Aïe. Oh, il est dedans là. C'est une invitation. Bien joué, t'as vu? Brochette de chair fait du toboggan dans les tunnels maintenant. Va, viens me voir. Ok, pourquoi pas. Je voudrais pas être invité à une de ces fêtes. Hein. Merci. Brochette de chair et aux chiottes. Il se refait une beauté. D'accord. La fête va commencer. Tu feras le service. Mets une tarte à Monsieur Tincel pour faire venir Brochette de chair. Voilà. Coucou. Oh, j'avais pas précisé. Les amis de Brochette de chair sont invités aussi. Fais gaffe que ces foufous ne détruisent pas le générateur. Sois mon jardin de chocolat. Ça en fait du monde. Je ne t'entends pas avec le boucan que font les amis. Pourquoi ils explosent tous en skag? Quelle bande de malotrus! Malotrus? Je vais me servir à colle! Derrière! Salut! Yugo le nabo! Mais non, mais moi je vous ai sauvé les mecs. Pourquoi je peux pas te trancher? Continue à accueillir les amis de Brochette de chair de la façon qui te convient le mieux. D'accord, merci. J'adore les cibles réticentes. À propos des expériences sur le slide, j'ai oublié les détails. Je vais te laisser partir. Bon, on s'en sort. Il a eu ce qu'il méritait. On s'en sort plutôt bien. Y a-t-il un point de vérité? Ne soyez pas ridicule, Ralatouf. Je suis digne de confiance. Jamais je ne lancerai de tels ragots. Mettre-toi à genoux. Moi, brûlez-toi. Voilà. Raison, princesse. Il fait un peu froid pour la saison. Qu'en pensez-vous, cher monsieur? Ok, j'ai plus de munitions ici. On est très peu là. Lui il est mort. Par contre, je suis vraiment en rade de munitions. Voir sa famille se faire massacrer, ça rend fort comme moi. Brochette de chair. Un autre petit four, princesse. Brochette de chair, abordons les sujets d'actualité. Non mais lol. Allez. Voilà. Et pourtant j'économise de la munition. Oh. Qu'est-il? J'ai du bol, en plus ils sont débiles. Sans rire.
Ok, bon bah je l'ai eu. C'est tout ce qui compte. Wouh! Nice. Bien, c'était un thé dans son fabuleux. Garçon, s'il vous plaît. Mais madame, que puis-je pour vous? Oh, je suis une théière boulotte. Monsieur Brochette de Chair doit se retirer. Je me souviens de toi, petite. Tu devrais être morte. C'est une très bonne remarque, Monsieur Brochette de Chair. Monsieur Tincelle, qu'en pensez-vous? Non! Pardon d'avoir vendu ta famille! Ah, c'était une erreur d'aborder le sujet maintenant, en fait. Je pense. C'est la meilleure fête de ma vie. Elle est con. Ok. Et feu d'artifice! Pique leur ventre quand tu veux que je fasse sauter les explosifs. Je dois le faire à distance. Ne gratte, Debic! J'entends le train qui arrive! Compte à c'est parti! 10! 9! Oui! C'est laissé sembler. J'en ai eu marre. Cramez les petits chatons! Ok, on peut donc arrêter un train comme ça. La clé de l'arche est là-haut, sur cette barrière de glace. Grimpe sur l'épave pour l'atteindre. Grimpe sur le tuyau pour monter dans la loco. C'est moi qui écris ça. Elle est malade. Mais c'est pas mal, j'aime ça. Fouille les wagons. Coucou. Tu dois trouver la clé de l'arche dans celui qui est le plus protégé. Willem, je sais que c'est toi que je cherche. Protégé. Vous reconnaissez ce type d'arme? Et oui, c'est des armes hyperion. Je précise. Je vous bats avec vos propres munitions. Non, non, tu n'exploseras point. Ok. Je disais bien que j'avais entendu quelque chose. Ouh, ça c'était pas prévu de prendre autant de dégâts. Aïe, j'ai été stupide. Tout se passe bien. Tout se passe parfaitement bien. On est un petit peu en train de consommer nos munitions, mais à part ça, tout va bien. Ils sont nombreux. Si je voulais. Ouh! Discret, hein, mais présent. Non. Suis-je bête? Oui! Willem, ça je me souviens, je sais que c'est toi. Fastoche. Ah, je pense à ça, mais si c'est Willem et que c'est un robot, ça va être inutile. Ne t'inquiète pas, si Jack voulait tant protéger la clé de l'arche, elle ne serait pas dans un train. Il aurait demandé à Willem de la garder. Oh non! J'avais oublié les détails. C'est un piège! La clé de l'arche n'est pas dans le train! On annule la mission, soldat! Désolé. Mais tu fais pas le poids contre Willem. Crois-moi. Willem a failli nous tuer tous à New Haven sans avoir une seule égratignure. Si ça tournait mal, tu cours. Roland a tort, chasseur de l'arche. Tu peux battre Willem, j'en suis sûr. Mais oui, regarde, c'est bien parti. Il est en train de prendre très très cher.
Allez. 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 Tiens. Tu as dessus, Wilhelm. Nom ouais. de Dieu. Ouais. Tu n'as pas la moindre chance. Wilhelm a laissé tomber un cœur énergétique. Ramasse-le vite. Je sens qu'il est différent des autres. Donne-le à Roland et les boucliers de Sanctuary n'auront plus jamais besoin d'être rechargés. Ouh. Moi, j'ai jamais vu un cœur énergétique comme ça. Celui que tu as pris à Ray, c'est presque naze. Tu peux me ramener celui-là ? On n'a toujours pas la clé de l'arche, mais au moins, grâce à toi, Sanctuary a droit à un petit sursis. C'est même plus un petit sursis à ce niveau-là, normalement. Ah, bon. Bien joué ! Champagne ! Tip-top ! Bravo ! Tu as trouvé le cœur énergétique, hein ? Je vous avais prévenu, fini de prendre des pincettes. Cramponnez-vous, chasseur de l'arche. Ça va charcler sévère. Cool. Désolé pour le plan foireux, les amis. Je pensais vraiment que la clé de l'arche serait dans le train. Pour me faire pardonner, la tu prochaine fois, je paie ma tournée de bière à Sanctuary. Qu'est-ce que t'en dis, Sanguine? On imagine que ça veut dire oui.